Il n'y a personne, c'est pour les Niçois. Relance tranquille. Ah, ça patine, Mathus Matisse là, ah, qui déborde. Il va retrouver derrière, elle n'arrive pas à ajuster sa passe, mais si, quand même, ça passe pour Dirtna. Et c'est capté. Là, oui. Parce que sinon, s'il est en place, il n'y a pas de trou. On parle beaucoup du match des Coupes de France, parce que c'était il y a une semaine, hein, tout juste. Hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est un match qu'il fallait gagner. Une belle relance là. Benjamin qui justement les deux Finlandais pour Pertilla qui essaie de déborder de son drive. C'est quand même récupéré par l'arrière-garde niçoise. Tarkanen qui peut relancer derrière tranquillement. Ozols. Il va donner à Lorca, je pense, ouais. Lorca. Lorca qui peut lancer Lavrov. Ah, il n'arrive pas à déborder, l'arbitre qui gêne malheureusement. Ah, c'est dommage, j'ai pas annoncé les arbitres, je vais le faire justement. Donc nous avons ce soir un trio arbitral. Donc joué, le head arbitre c'est monsieur Garbé et en linesman, juge de ligne, on a monsieur Constantino et Pointel. Virlas, joli numéro, Virlas qui tente sa chance. Ça traînait à la cage, il avait fait un beau débordement, Virlas. Il a tenté, bon, en angle fermé, c'est une chance sur 10 de passer, mais on peut tenter. Pas. Tarkanen qui récupère pour Pertilla. Ah, premier poteau là pour Ajamaki. C'est pas passé. Lyon qui a plus de mal quand même que les Niçois qui sont mieux rentrés. Ça va jouer à peu de choses, je pense. Exactement. Ça va être serré. À moins d'un accident de l'une ou de l'autre. 3-2 là. Bialanchik là. Qui laisse derrière. Magnifique à Matisse. Oh, magnifique but. C'est gagné par les Niçois l'engagement Et ça sort hors des limites de la patinoire. C'est dévié, donc pas de retard. Dans la bonne dynamique. Donc il laisse Lyon derrière, en plus c'est à domicile. Donc, c'est un concurrent direct, il sort d'une défaite, il faut... Allez, il faut rentrer, poussé, mal contrôlé par la chenille. Attention là, ça... Pour Ozols, il va shooter Ozols. Et là, ça part. Allez, il ne faut pas fouiller les Bergeron. Il ne faut pas trier. Ah, il est tente pas. Seul, il a trouvé quand même. Et il a récupéré, à mon avis, il y a moyen de faire mieux. C'est sur le gardien. Manqué de patin, la Bergeron. Il la garde. Il a préféré assurer. Berchak, qui est pris. Ça sort pour Lyon. Ça sort. Lavrov, qui lance au fond. Péniblement, mais ça sort. De toute façon, à zéro, de toute manière, il n'y a rien de fait là. Il n'y a rien de fait, mais c'est vrai qu'on sent que ça pousse un peu plus là, côté lyonnais. Là, mais ça n'a pas été dévié, donc directement. C'est plus difficile pour les aigles. Par contre, ça peut faire quelque chose. Bergeron de l'autre côté, c'est dommage. Peut-être qu'il va le trouver dans les. Il va sur son défenseur au lieu de rester un peu en retrait. La passe de Réorchak pour Bergeron était un peu haute. Sabatier qui traînait dans l'axe et but de Sabatier. Sabatier qui a repris son propre intentionnel. De toute façon, intentionnel ou pas, ça n'empêche pas que c'est faute quand même. C'est vrai. Allez, faut tenir. Être maladroit n'est pas une excuse valable pour ne pas prendre la pénalité. Oui, mais c'est moche en fait. on n'était pas loin de la double supériorité. On a crié sur le banc lyonnais. Ça se bat. Attention, ça se chauffe pour sanctionner. Lyon qui prend l'engagement, déjà c'est bien, qui s'installe. C'est un peu dévié là, mais bien. On dégage suite à cet engagement gagné. Linda. Il va falloir se réinstaller pour. De revenir là. Correa. Kukiewicz. Kukiewicz qui est passé Kukiewicz derrière. Qui cherche devant la cage. Un petit cinglage là, mais. Verbeek qui tombe devant le. Tombe devant la cage de Moustoukov. C'est l'arbitre qui ne dit rien. Dinda. Attention, ça traîne devant la cage. Attention, Mikiewicz, il n'arrive pas. En tout cas, ça chauffe devant le. Ça reste dans la crosse. Il n'est pas content, le défenseur lyonnais. On va changer de ligne rapidement pour les Niçois. Niçois, ça défend comme ça peut là pour l'instant là, mais ça tient. Ankerst. Ankerst qui va shooter, non, il préfère s'installer, mais là il se met un peu dans la merde. Et voilà.
Van Kirst, ah, il récupère bien Palais. Ah là, ça va sortir Virlas, non, même pas. Ah, ils sont deux, ils ont réussi à la garder là. Ils s'installent bien les Lyonnais, mais après ils n'arrivent pas à trouver la faille. Ah, ça touche quand même, mais à chaque coup c'est. Oh, il cherchait Correa là. Moustikov assure, on va dire, hein, pour l'instant. Ah, il assure l'essentiel, hein, puisque sa cage est inviolée. C'est la base. Colari qui lance au fond. Lavrovski. Ouais, ça, ouais. Et qui gagne Verbeek. Ah, mais c'est pas capté par Dinda. Verbeek. Ah, c'est pas passé. Moustikov qui laisse la crosse. Ouais. Et bien lui en a pris. Qu'il a coupé la passe. Ah, il fait un bon match là, Moustoukov. Il donne inspiration. Et derrière, il y avait un Lyonnais. Lavrovski qui. Ah, c'était bien joué ça. Ah, c'est bien joué le petit. Attention. Cartilla. Même Cartilla n'y arrive pas. Ah, ça peut partir en 2 contre 1. Il arrive à donner un peu qui va shooter. Oh, un peu qui reprend son propre rebond. Ah, mais là, ouh, c'était bien, ouais. Ah oui, il y a but là, Persilla, il va le mettre. Ouais. But. Ça va jouer. Doré face à Andrés. C'est Andrés qui récupère le puck. Il s'en sort malgré sa différence de gabarit, on va dire. Ah, ils se connaissent, hein, les deux. Ils ont joué ensemble l'an dernier. L'élan. Pas dire là, que ça demande de parler, Robert. Mal, hein. c'est, moi, je trouve que c'est fluide. Ah, c'est, mal, mais... c'est Moustoukov qui a fait la différence, hein, au vu du premier tiers. Hein. D'élan. Voilà, ils sont actifs. Il y a l'intensité côté lyonnais, mais. Enfin, ça veut pas. Rorschach pour Sabatier. Rorschach qui va shooter. C'est toujours dangereux, ces shoots là. Ah, il va revenir dans l'axe, c'est toujours une bonne solution. Le défenseur devant, là, ça peut être touché. On s'ouvre le jeu. Ah, c'est gagné par les Lyonnais. Verbeek qui a bien couvert son défenseur. Là, par contre, on va avoir hors jeu. Ouais. C'est les Niçois qui, sur cette fin de tir, arrivent quand même à mettre un peu de pression là dans la zone lyonnaise. Thomas, c'est les petits Français là qui. On n'avait pas vu ça depuis un moment. Ils mettent du peps, là, mais c'est perdu. Ça va faire un compte pour Lyon. Ah, il y a 4 contre 2 là. Ah. Lavrov, mauvais choix. Moustikov, ouais. Encore une fois. Ouais. Ah, c'est Robert. Il cherchait Robert dans l'axe qui a shooté, mais Moustikov a détourné. Il était un peu trop désaxé là pour pouvoir déjouer. Là aussi, on tente le shoot en angle, pas forcément le bon choix. Là. Attention à Bergeron, là. Samy Erwin qui se donner à fond et ne pas marquer. Du deuxième tiers. Toujours problématique. Correa. Van Kirst. Mikiewicz. On va shooter la côté lyonnais, je pense. Ah, c'est Mikiewicz. Il loupe son shoot, ça passe derrière la cage. Correa qui récupère, qui fait le tour, qui donne à Mikiewicz. Dernière minute. Ah, shoot, mais c'est pas cadré là. C'est trop. Ah, ça. Allez, on va voir si. C'est le début du mercato. Ouais, exactement, c'est le mercato. En fonction de l'analyse qu'on a fait des 22 premiers matchs, parce qu'on est quasiment. Enfin, si, on a dépassé la saison. On a dépassé. Après, c'est vrai que pour. C'est encore à côté, là. Il va falloir faire la différence pour accrocher les playoffs, notamment pour Lyon et pour Nice. Ça va jouer à rien, on l'a vu l'an dernier. Nice a loupé les playoffs à la dernière journée, dans les dernières secondes du dernier match. Ça y est, Nice est au complet. Et Mulhouse avait chippé la dernière place qualificative au Niçois. Avec Lyon qui continue à dominer là. À Lyon qui débute bien hier. Et Moustikov toujours aussi. Faire attention, là, ça va vite. Hein. Là, il y a une mauvaise relance de Drittina, mais Nice s'en sort bien.
Enfin, ouais, mauvaise en fin. Qui shoot. Le premier buteur niçois. Robert passe. Ah, c'est là, le là, il va la siffler quand même. Ah, là, ça m'a chier qui n'a pas réussi à capter. Alors, il y avait Matisse voilà, qui rentrait dans. Ozos. Pascal qui lance au fond. C'est récupéré par Doré qui va dégager. Sabatier. Sabatier qui est en Bergeron. Qui est en jambe ce soir aussi. Bergeron qui tente un grand pont mais compliqué. Ah là, il y a peut-être un deux. Ouais, deux. Enfin, il y a un défenseur qui rentre là. Oh, et le but est validé. Correa qui n'arrive pas à dégager. Allez, Correa là. Qui récupère, qui shoot. Attention, le palais qui de nouveau s'élève. Ah là, faudrait pas que les Niçois là, s'en prendre encore un là parce que ça risque d'être. D'être compliqué après. Ah, c'est Lavrov. Pertilla. Lavrov sans assist. Oh, Pertilla qui bute de 4. Matcheco. Ah, s'il arrive, Carpentier, il laisse pour Petit. Petit qui récupère. Carpentier, il n'arrive pas à contrôler. Ah, c'est les deux Niçois qui se télescopent. Ouais, Thomas et Carpentier. Ouais. C'est à côté. Carpentier. Ouais, il y a Petit au fond, s'il arrive à la lancer, non. Elle a peut-être un compte là. Ah, heureusement que Rayamaki qui sortait du banc là. Ah, il s'est fait chipper le palais par Verbeek. Ah ouais, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que les Lyonnais sont plus. Plus vifs. Plus vifs. Vif mais inefficace ou alors tombant sur un bon Moustoukov dans les cages niçoises. Là, attention, il est tout seul. Balzano là qui. C'est gagné par Andrés. Guido Balzano. Allez. Ah, Pertilla. Faut pas l'avoir là. Ah, ça va d'un but à l'autre, c'est agréable à voir jouer. Hein. Ouais, puis il n'y a pas beaucoup de temps mort. Ouais. Pertilla là. Pertilla pour Rajamaki, Ample. Oh là, Rajamaki qui prend une grosse charge là de. Ample qui. Est tombé tout seul là-bas, par contre. Je crois que c'est Pascal qui a mis la grosse charge. Bien défendu, il n'a pas laissé chuter. Rosals. Qui shoot, c'est dévié par Robert, mais pas dans le but. Hein. Oh là là. Il y en a un qui a la. Il y avait la crosse, il y a deux crosses par terre. Pas sorti. Verbeek. Attention à Lorca qui est tout seul au second poteau, c'est capté. Oh là. C'était dommage. Ils avaient la possession du palais. En tout cas, on tente tous pour le tout là, côté lyonnais. Ouais, c'était chaud là. Le surnombre, il était à deux doigts. À un cheveu. Ouais, plus un cheveu, t'as raison. Verbeek qui shoot. Ouh, bel arrêt de Moustoukov. Moustoukov, Oui, Ample, il a pris une méconduite, c'est sûr. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est 2 plus 10. Donc 2 plus 10 de chaque côté. Voilà. Les deux, Linda, Mikiewicz. Deux méconduites et deux mineurs. Voilà. Linda. On va voir, là, Lyon qui joue le tout pour le tout, là. Ouais, Mikiewicz. Bah, c'est bien joué, hein, ils ont raison. De toute façon, il n'y a rien à perdre, là. Ouh. Attention, Linda. Ouais, c'est pas gay. Correa. Mikiewicz, Linda. Correa qui shoot, c'est pas cadré. Moustoukov qui met quand même la mitaine. Ouais. À couper les pattes. Alors, chaque coup, il n'y a pas juste 10 minutes derrière hors jeu, chaque, Bergeron. Bergeron qui récupère. Lachny. Attention, ça sort pas. Ouh, mauvais Mikiewicz, 3 contre 1. Attention hors jeu, ouh, c'était aussi limite là. Et il fait le tour là. Ouh, ça. Sabatier qui essaie de retrouver Rorschach, mais il y a hors jeu d'annoncer Lavrov. Lavrov qui retourne. Ils ont. Difficile. Ils font pas un mauvais match les Lyonnais. Ils sont tombés sur un Moustoukov des grands jours et ils ont pas mis les
ils ont pris deux ou trois buts là qui sont arrivés au mauvais moment. Ouais. Ils ont mis les ingrédients, ils ont mis l'intensité, mais malheureusement pour eux, ça n'a pas suffi. Donc là, il y a hors-jeu. Thomas. C'est dommage. Ouais. Face à Lorca, on n'est pas loin de jeter les gants là. La petite différence de gabarit. Ouais, peut-être pas que ça. Mikiewicz. Oula, Mostokovs qui s'engage derrière sa cage. Il sortir bien. Voilà. Ah, s'il le voit en deuxième. Ah, c'est dommage, ouais. Breling. Oh là, ah, c'était bien joué pour Matisse. Mais... ouais. C'est contré. Voilà, on va rentrer dans la dernière minute. Bertin à la droite tout de suite, il faut shooter. Oh, c'est dommage. Voilà. Ajusté. Sans s'engager trop, on peut dire que ça sent la victoire de Nice là. Ouais. Et Nice qui va prendre 5 points. Verbeek là. Très mauvaise relance. Ce serait un très bel exploit même. Mikiewicz qui. C'est fini, voilà. Attention.